aujourd'hui, je vais vous présenter Cult, qui est toujours un jeu Atari, bien sûr. Alors, celui-là, c'est un jeu d'aventure. Je place la disquette 2. Notre petit Itachigos qui est notre lien télépathique avec le réseau Tonner. Sur le côté, on a des tout un tas de petites boîtes à outils et choses qui vont nous servir. Là, c'est la présentation du début. Par contre, je ne sais pas pourquoi il n'y a plus de son. Donc, on a des gardiens, un maître des épreuves et des aspirants comme nous. On doit passer des épreuves pour réussir à collecter des crânes. Alors, là on voit les différents protagonistes qu'on va rencontrer et qu'on est censé connaître. Le son est revenu. Je vais remonter un peu le son. Hop, parce qu'il n'est pas très fort sur ce jeu-là. Alors, donc le maître des épreuves nous donne un objet. Donc un poignard. Il peut nous servir pour l'épreuve qui est derrière la porte qui s'appelle le mur. Donc... Alors... C'est clair et c'est net. Lui, il dit tout le temps plein de bêtises hein, avec un français très approximatif. Donc, voilà. On a différentes portes. Donc, il y en a qui sont maintenues par les gardiens. On voit le nom de la porte qui s'inscrit en bas. Et derrière chaque porte, il y a une épreuve. Donc là, la petite flèche, ça nous permet d'aller vers les épreuves précédentes. Donc là, l'épreuve qui s'appelle le mur. Donc, ici... Voilà, si je clique, en fait je vais avancer, il y a différentes choses à faire. Si je clique là, je vais partir sur le côté. Et donc là je vois qu'il y a une barre, la partie du mur elle peut s'enfoncer. C'est un peu que des, comme si c'était que des énigmes. Donc il va falloir que je fasse différentes choses. Donc quand on clique, on a ce petit truc qui apparaît. On peut contempler. Casser, insulter, donc ça dépend sur quelle heure. Donc là, si je contemple, c'est vraiment très beau. Donc, on peut essayer toutes les options, mais ça reste un mur. Alors, ce qui est bien, c'est que j'y ai pas joué depuis très longtemps, donc je ne suis pas sûre d'arriver à me souvenir. Voilà, si j'avance, ça se refait. Si je recule, ça s'ouvre. Donc, le truc, il me semble, c'est de pouvoir aller mettre le poignard dans un des murs pour le bloquer. Poser, jeter, lancer sur, offrir, mettre dedans. Voilà. Par contre, je me rappelle plus où on doit le mettre. Ouais, y a un trou là. Voilà, ça ne marche pas. Ça nous apporte pas grand chose. Ça permet. Alors, on a l'hypervision qui peut permettre de détecter des choses. La mouche, ça permet d'envoyer une mouche qui peut aller. Bon, là, je l'ai pas envoyé sur un truc où ça marche. La mouche, elle nous permet d'inspecter des choses, des endroits. Par exemple, si je l'envoie là, pouf, ça fait rien. Par un petit bruit de mouche. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le détecteur de pensée, bon là il n'y a personne, un brouilleur d'esprit, un scanner. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a télékinésie, qui permet d'attraper des
chose. Killer et help. La petite télé, là, ça apparaît. Il y a des choses qui apparaissent par moment. Ça, c'est un peu notre santé en quelque sorte. Donc là, on peut attendre, voilà, sauvegarder, charger, voir l'heure, etc. Donc, il faut que je trouve, je ne sais plus à quel endroit. Ouais. Je ne sais plus exactement à quel endroit il faut mettre le poignard. Mais il me semble qu'il y a un truc. Si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en faire part dans le chat. Hop. Non plus. Bon, ou alors faut que je ferme complètement le mur avant. Se remettre au milieu, ça va l'ouvrir. Non, ça va pas l'ouvrir. Alors mon but, c'est de l'ouvrir complètement pour pouvoir coincer. Est-ce que là maintenant ça a marché? Sorti de l'épreuve. Alors, il y a différentes salles d'épreuve. Je vais vous faire visiter un peu. Donc, avance vite, l'ami. Sinon, tu seras pris. Alors, on va utiliser notre hypervision. Ah, voilà. Grâce à notre hypervision, on voit mieux. Donc, là. On peut essayer de parler au petit monsieur. N'essaie pas de monter sur la plateforme. On pourrait essayer de fouiller, enlever la corde, inspecter, attaquer, chatouiller et libérer les mains. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Donc, ce qu'on peut faire, c'est essayer d'aller inspecter de plus près. Bon, la mouche nous rapporte pas grand chose comme info. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les détecteurs de pensée. Qu'il crève celui-là. Donc voilà, on va éviter de le libérer. Non, brouilleur d'esprit, un scanner, la télékinésie. Alors avec la télékinésie, par exemple, on pourrait. Non, ça marche pas. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Après,
après, on n'a peut-être pas toutes les tous les items pour faire celui-là. Ah oui, si, c'est là qu'il faut le faire. Ça doit être la manette. C'est plus à utiliser sur les gardes, les trucs comme ça. Est-ce qu'ils pensent toujours la même chose? Oui. Donc ça sert pas à grand-chose. Alors, on va retourner par là, sur l'anneau. Donc, préparez-vous à la naissance de la race maîtresse, que les divots soient prêts. Là, on a un protozorg. On va pas lui prendre son arme, hein, on n'est pas fou si on l'attaque. Mais on peut lui parler. Voilà. On peut lui demander des explications. Alors je sais pas si vous arrivez à lire. Si tu résous les énigmes d'une épreuve, tu gagneras un crâne. Il y a 5 épreuves. Donne 5 crânes aux gardes de l'échangeur en moins d'une heure et tu seras divot. On va essayer. On a moins d'une heure. Alors, par où? Ah, petit monsieur qui est sorti de l'épreuve. Hop, on va le passer au détecteur de pensée. Qu'il me laisse tranquille celui-là. On va quand même essayer de lui parler. Échanger des objets avec lui. Je mettrai des souvenirs, t'as pas besoin d'objets. Ça peut être bon à savoir. Là, c'est la source. Alors. Donc. Alors, l'épreuve de la source. On a la source, qui sera sauvée, et les jumeaux, ces deux autres épreuves. Là, on a une plaque, et la fontaine. Alors. Donc, on va inspecter, d'abord. Vraiment très bon, ok. Ça nous apprend pas grand-chose. On va essayer de sauter dessus. Ça marche. Ok. À soulever, je suis pas sûr que on va essayer de marcher dessus. Ouais, ça fait pas grand chose. Toucher, il se passe rien de remarquable. Ouais, on va essayer de soulever. Non, je m'en doutais un peu. Alors, la fontaine, qu'est-ce qu'on peut lui faire? Prendre, polir, inspecter. Monter dessus, casser, parler. Ouais, ça m'étonne pas trop. Alors. Ouais, vérifier, rien. Mouche, détecteur de pensée, brouillard d'esprit, scanner. Non, rien de palpitant. Je me rappelle plus ce qu'il faut faire avec cette plaque. On va essayer les jumeaux. Juste au moins que je vous fasse tout visiter. Alors là, on peut ouvrir leur bouche. Voilà. Bien inspecter ce que vous pouvez prendre. Sera sauvé. La porte ne s'ouvre pas. Donc on va revenir en arrière. On va voir si on peut y accéder par l'autre côté.
qu'elle s'ouvre, il me semble qu'il faut réussir à faire couler de l'eau quelque part. S'impatiente. Une espèce de porte qui passe. On peut essayer de leur parler, mais il me semble qu'ils sont pas capables trop de parler. Ah, si. C'est un échangeur d'objets. Donc là, on est encore sur... Ouais, lui, on peut lui déposer des crânes. Donne-moi un crâne, puis tu pourras essayer l'échangeur pour avoir d'autres objets. Essayer d'avancer un peu plus par là. Là, on a à nouveau. Ah, on a la présence en présence du scorpion. Si vous voulez. Tac. Gravure. Alors. Donc là, on voit la gravure d'un peu plus près. Donc, il y a la lune, le soleil. Il y a un homme et un scorpion devant. On a adoré la gravure sur le mur. On peut méditer. Voilà, inspecter. C'est décidément un air d'araignée. Oh, araignée divine. Scorpion, et j'ai grand faim. Je voulais ma friandise. Va la voir et n'oublie pas son cadeau. Donc, parce que là, on a une araignée, une femme araignée. Non, maman, mon mignon. Enfin quelqu'un de gentil. Alors, je suis pas sûre qu'elle soit si gentille que ça. Hein? À croquer ce petit vraiment. Je pense malheureusement qu'elle dit ça au sens propre. On peut essayer la brouilleur d'esprit dessus, mais j'ai pas l'impression que ça marche vachement. Il y a des tentacules tapis partout là-dedans. Donc ça, c'est bon à savoir. Hypervision, je suis pas sûre que ça fasse grand chose. Donc on va ressortir. L'ouvrir ça, inspecter, prier, frapper, parler, faire des grimaces, aucune réaction. Ça fait assez scorpionneux comme concept. Alors frapper, ça nous avancera à rien. Il me semble que normalement on peut l'ouvrir la trappe, mais je croyais que c'était avec la mouche. C'est peut-être à elle qu'il faut mettre la mouche. On va réessayer, on verra bien. Alors. Viens, maman.
se dégage. Plus tu luttes, plus t'es pris. Mais non, on est mort. Comme c'est délicieux. À table, mes bébés. Ça, ça, non, c'est mal. Fais, pas, fonce. Je comprends pas tout ce qu'il dit, le... Espèce de fœtus. Les tentacules jaillissent pour enfoncer leur dard frémissant. D'une ère raven à mort moins 7, 6, 5. Laisse-moi faire, mon grand, ça va te plaire. Voilà, on est mort. La première mort. Donc là, cette fois, il nous donne un gobelet. Ça nous servira derrière l'épreuve nommée les jumeaux. Donc bien sûr, comme on est mort, on a recommencé au début, donc on va pas avoir le petit couteau qu'on avait. Alors, tac. Hop. Alors, je crois qu'on va aller à la source, remplir le gobelet dans la fontaine. On va vider dans les serpents. Ça me paraît assez logique. Mais sauf que je sais pas s'il y a de l'eau. Est-ce qu'il y a rempli ? Pas de liquide ici. Il faut qu'on arrive à faire. Je sais pas si chaque morceau fait une action différente ou si c'est considéré tous comme la même. On va essayer sur chacun au cas où il se passerait quelque chose. Là, qu'est-ce qui se passe par là? Ça s'ouvre pas. Je crois que j'ai déjà essayé, mais je réessaye, on sait jamais. Tu te tiens sur la fontaine. Ok. Bassin d'eau. Boire, inspecter, laver les mains. Hein? Non, laver les pieds. Plonger. Donc, attendez, on va pouvoir faire ça du coup, remplir. Pas de liquide. Bah, faudrait savoir. C'est du solide, ouais. J'arrive à boire, mais il me dit qu'il n'y a pas de liquide. Mettre dans le bassin d'eau. Jeter, poser, inspecter, remplir, mettre dans. Si je le jette, je serai dans la brise. Mais je comprends pas pourquoi. Jamais on peut frotter comme une lampe. Voilà, ça nous fait une belle jambe. On va redescendre d'abord. Ok, donc si on peut plus rien faire parce qu'on est en haut, est-ce que là ça marcherait? Si je fais ça, peut-être que j'ai les pieds dans l'eau. Si j'ai les pieds dans l'eau, est-ce que je peux remplir? Parce que des fois, ça peut être tout bête. Mais faire les trucs dans le bon ordre. Alors.
un peu usé. Est-ce que il y a un truc à faire avec son œil? Brouillard d'esprit, détecteur de pensée, manche. On va essayer help dans l'ordre. Ouais, donc il faut faire un truc là dans un ordre précis. Quel ordre? Il y a tellement de combinaisons possibles. Est-ce qu'il peut nous en dire plus? Je crois que non, il va nous dire toujours la même chose. L'inscription. Inscription. Pas trop envie de finir là-dedans. Il jette tous les cadavres là. On retourne sur l'anneau. Quoi? Attends, ça a muté. Il a l'air d'avoir ses 5 crânes. Non, il est pressé. Ouais. Parce que je me suis dit sinon on aurait pu lui piquer. De profundis. Ah oui, je m'en rappelais plus de celle-là. La fange te brûle, t'aspire. Ah. Avec les graphismes de l'époque, c'était pas toujours facile de savoir ce qu'ils étaient en train de suggérer. Donc là, dans le décor, fallait penser. Derrière la porte, nommée De Profundis, la corde. Alors l'avantage, c'est que comme il donne un objet différent à chaque fois qui est fait pour une épreuve différente, après on peut retenir quel objet est fait pour quelle épreuve. Et ça aide pour la suite. Alors, notre corde, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Inspecter, offrir, poser, inspecter, attraper au lasso et attacher. Donc, on va l'inspecter. La corde peut toujours servir, ça ne me dit même pas la longueur. Donc on va essayer d'attraper un truc au lasso, je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit. Ah, je crois qu'on doit pouvoir faire descendre un crochet du plafond dans cette pièce, il me semble. Soudain, la plateforme sur laquelle tu te tiens descend. Ah, voilà, non, là, le crochet est apparu. Ok, donc, attrapé au lasso. Te voilà accroché. Donc maintenant qu'on est accroché là, qu'est-ce qu'on peut faire? Non. La plateforme s'enfonce dans la fange bouillante. Et nous on est accroché. Donc ça va.
pas essayer le scanner. Rien, on va essayer LED. Tac, qui est accroché. Ouais, c'est fait. Ça nous aide pas beaucoup. Ah! Il est juste sous toi. Allez, on va discuter avec. Ça ne marche pas. Ça ressemble surtout à une statue de pierre. Implorer pitié. Sauter dessus. Voilà. On va essayer de sauter dessus. Et on est accroché, mais il va redescendre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Discuter, attaquer. Doré. Accrocher au monde d'un plafond. Le monstre t'emmène jusqu'à la plateforme d'en face. En sortant, tu ramasses un crâne posé devant la porte. Bon, ça va. On a réussi au moins une épreuve. C'est pas la plus difficile. Donc, maintenant, on a un crâne, mais on a plus d'objets. Donc, là, c'est un peu le truc de la fin. Oh, faut qu'on attende des fois les petites cinématiques. Voilà, on va parler à ce monsieur-là. Tu es un bon OFA. Tu as le droit d'échanger un objet d'épreuve avec l'échangeur. Tu n'as rien. Solide. Ok. Alors, on a donné notre crâne pour échanger avec quelque chose, mais du coup, maintenant on n'a plus rien. On a un crâne, puis tu pourrais essayer d'échanger. Si tu résous, tu gagnes. Ouais. Voilà. C'est pas grave. De toute façon, c'était à lui qu'on devait les donner. Donc ouais, par contre on a plus de... Tu veux changer quelque chose contre ça? Refuser, parler, petit pouvoir, attendre. Alors, on va essayer nos pouvoirs sur lui. Hop, comme ça on lui a piqué sa mouche. Alors, t'es un teneur, ordure. Je te retrouvais dans l'anneau, mutant. On s'en fout, c'est pas grave. Alors, lequel on va mettre? Le mur, on a besoin du poignard, donc on peut pas. En présence du scorpion, je crois que c'était celui qui avait pas besoin de... Ah, c'est le même, mais sous un autre angle. Pour le coup, je l'avais pas reconnu. Alors. Ah, je sais. Faut qu'on aille par là. Je me rappelle. Je savais bien qu'il y avait une histoire de mouche. Mettre dans... Bouche ouverte. Dedans, mettre un doigt. C'est un trou noir. Smark et Sloop. C'est un panquet de bave. Ok. Ah bah du coup j'ai plus d'objets. C'est très prévu, parler. C'est moi qui ai le maître du garçon, j'ai grand faim. Mais on vient de te donner une mouche. Ah. Ouais, mais j'ai plus de cadeaux. Ah, c'est là. Et si on essayait le mode killer? On va essayer de la... Faut y aller déjà.
Ouais, ça marche pas. Les petits, ça fait rien. Non, on va éviter d'avancer. Le cadavre, qu'est-ce qu'on peut faire? Inspecter, fouiller, parler. Fouiller. Il a quitté la vie comme il est rentré sans grand-chose. On peut toujours essayer de parler. Voilà. Encore un cadavre qui refuse de parler. Assez frais, encore qu'un peu grignoté. Bon, on va essayer de retourner piquer des objets. Vu que lui nous a pris notre objet sans... Ce qui est bizarre, c'est que l'objet, du coup, il est même pas dans la petite télé dans la pièce. C'est-à-dire qu'on peut pas le récupérer. Non, c'est que deux gardes. Où est-ce qu'ils sont tous passés? Bon. Je vais essayer de prendre le petit passage sur le côté dans ce cas. Ah. Profondis. Il faut plonger. Faut vraiment faire tout l'inverse de ce qu'ils disent. Échanger objet. Quel veux-tu échanger? Tu n'as rien d'autre. Ne me provoque pas. On va essayer. Ça, je pense pas qu'on puisse. Vu que la fange, a priori, est dangereuse. Est-ce qu'ils pourraient nous donner quelque chose, les Vortes? Non? Alors, on va demander à notre petit copain, le fœtus. Situation non critique. Ok, ils s'en fichent. Alors, et si on va voir le pendu? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Il nous dit d'avancer vite, mais sauf que faut surtout pas. C'est pas un levier là-bas. On avait déjà essayé tout à l'heure. C'est pour ça que je préférais le faire par télékinésie. Malheureux ne vit plus. Ok. Est-ce que du coup on peut lui piquer ses affaires? Je sais, c'est moche. Hein. Si on remet le levier, que ça remet la plateforme, on pourra monter dessus. Comme ça, ce sera sans danger. Hop. Et là, on va essayer d'aller fouiller. Là, on peut pas monter dessus. Ah si, peut-être avec la mouche, si on se déplace sous forme de mouche. Alors, essayons. J'ai cliqué à côté. Non, on n'arrive pas à monter sur la plateforme avec la mouche. Alors c'est que j'ai pas fait comme il fallait. Corde malheureux. Plateforme. Voilà. Te voilà sur la plateforme. Ok. Alors.
corde. Elle est trop courte. Alors, bon. Modèle standard. Pourquoi elle est trop courte? Pourquoi on la prenne? Mais on va prendre avec la télékinésie. Ça ne marche pas. Ça cache quelque chose. Cache quelque chose, est-ce qu'on fait un scanner? Ah oui! Trop fort. Très subtilement dissimulé dans le mur. Ça ne marche pas. Horrible. Ça ne marche pas. Essayer de... Alors, le problème c'est que... Sauter, renifler, inspecter. User fétide, ok. Ça donne encore moins envie de tomber dedans. Alors... Si je me souviens bien, quand on tombe dedans, on se retrouve dans l'autre truc où il y a tous les cadavres. S'accrocher, on peut pas. Oh, c'est dangereux ce que je fais. Non, ça sert à rien. On aurait peut-être pas dû monter sur la plateforme. Tu descends, puis un petit saut et te voilà en bas. Si ça a marché. Faudrait monter sur la plateforme, sauf que quand on est dessus, on n'y arrive pas. Ah, ça marche plus. Pourquoi? Mon pouvoir psy doit se recharger. Ouais, c'est pas la vie, c'est vraiment le pouvoir psy. Je l'ai trop utilisé. Ah, ça veut dire que je vais peut-être pas pouvoir descendre de la plateforme. Mince. Comme on a un temps limité, on n'est pas dans la mouise. Pousser, casser, prendre. Alors, je sais pas quelle heure il est. Pour voir combien de temps on a. Ouais. Passé 17 minutes et en 17 minutes on n'a pas on a eu qu'un seul crâne. On peut éviter de descendre. Et celle-ci. Ah! Est-ce que on pourrait l'attacher à l'autre? Non. Ah non, c'est pour attacher les gens. Oui. Effectivement, j'avais pas compris. Non, je peux pas attraper la solo de corde. C'est cool, sans incident. Est-ce que nos pouvoirs psy remontent pendant ce temps? Non, toujours pas. Est-ce
crois que je les ai un peu gaspillés. Tu sautes pour l'attraper, elle glisse. Tu fais une chute vertigineuse. Pa, 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 pa. Ah, on n'est pas dans l'endroit où tu nages. Améliance à quoi putride. Un cadavre ensanglanté tombe du trou. Ah, ça fait venir le monstre. Il est peut-être végétarien. Oh, on m'étonnerait. Nécro du délit du Délos te coupe en morceaux adaptés aux dimensions de sa gorge. Du nerf fait du nerf avant des branchés. Chasseur en présence du scorpion. Voyons voir. Donc on a déjà dit que ça servait à rien. La porte ne s'ouvre pas. Inspecter. Parler. C'est moi le maître des scorpions et j'ai grand faim. Voilà, maintenant ça brillait. Maintenant, je pense que du coup c'est ouvert parce qu'il nous dit qu'on peut aller là. Salut Spru! Tu voulais essayer poser? À quel moment? J'avais pas vu. Est-ce que tu connais ce jeu? Ah, mince. Je suis désolée, je crois que mon bot il est un peu trop virulent. Et il supprime quand il y a trop de messages à la suite. Il va falloir que je refasse quelques réglages. Donc essayez de poser la corde. Lancer sur offrir. On va essayer de lui offrir la mouche en pierre. Viens voir la petite surprise, mon dodu. Deux trucs dans les mains, qu'est-ce qu'on va faire? Parler, inspecter. On va inspecter d'abord. Ça ressemble à une vieille femme. Parler. Viens voir la petite surprise, mon dodu. Ok. Ça nous a avancé à quoi? On a toujours. Ouais, ça a pas marché. Non. Ça a pas marché parce qu'elle veut qu'on l'approche d'abord. Essayer de lui lancer. Ça rate. Tu te fais prendre dans la toile. Ah non, on est encore mort. À utiliser tout à l'heure. Ah, Spru, c'est vraiment dommage du coup que. Ouais, c'est bon. il aime pas ce mot-là, d'accord. Ouais, ça doit faire partie, ouais, il y a une protection. Ah ah! Oui, là, on a réussi, le mur est complètement ouvert, tout à l'heure, j'arrivais pas. Donc là, il faut que je mette le poignard dans le petit trou, ce qui empêchera le mur, normalement, de se refermer. Alors, cloison pivote. Voilà.
La force et le poids te broient, te déchiquettent. Ah non, c'était pas de ce côté-là. Bon, bon, bon. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah, on m'entend pas fort? Alors ça, je peux peut-être l'arranger. Non, je peux pas l'arranger. Je suis à fond. Je suis à fond. Par contre, je peux baisser un peu le son du jeu. Je sais pas si on m'entend mieux. J'arrive pas à monter plus. Ouais, le jeu aussi. Ah mince. Alors attends. Remonte un peu le son du jeu. Voilà, je sais pas si c'est mieux. Ouais, je compte sur toi, tu pourras me donner plein d'astuces pour améliorer un peu. Chouchou m'avait dit aussi la dernière fois que c'était pas assez fort, mais je sais pas trop. Voilà. J'attendrai tes explications. Là, normalement, de toute façon, j'avais dit que j'arrêtais le stream vers 20h10. Donc, j'ai mis une heure. Alors là, j'ai toujours le gobelet. Donc, tu vas peut-être pouvoir m'aider dans cette épreuve-là. On a une plaque. Et de ce que je pense, il faut faire appuyer dessus dans un ordre précis pour qu'après, on puisse avoir de l'eau qui coule pour pouvoir remplir notre gobelet. Ah, c'est vraiment un jeu d'énigmes un peu. Mais je sais pas comment on peut savoir sur quel ordre ni la précision. Alors j'y avais joué pendant des années pour arriver à le terminer. En essayant un peu tout. J'ai tout oublié. Parce que là, on peut boire, mais si on essaye de mettre le gobelet dedans, il va nous dire qu'il n'y a pas d'eau. Voilà, pas de liquide ici. Alors, peut-être qu'on peut essayer de le poser. Hop, donc ça le pose juste dans la pièce. Mettre dedans, il me semble que j'avais déjà essayé tout à l'heure, dans le bassin d'eau, mais ça ne marche pas. Là, en fait, on a des pouvoirs psy. Donc, une hypervision. On peut se transformer en mouche pour atteindre certains endroits. On a un détecteur de pensée, un brouilleur d'esprit, un scanner, de la télékinésie, un mode killer. Et l'aide, c'est le petit fœtus ici qui nous donne de l'aide. Là, il nous dit dans l'ordre. J'imagine qu'il parle de la plaque. Là, peut-être. Là, il y a une inscription, ouais, t'as raison. Je t'avais pas vu. L'un boit, l'autre mange, et le passant passe. Donc ça doit être pour les jumeaux. Après, il n'y a rien d'écrit sur la fontaine en elle-même. Ça, c'est une porte qui est verrouillée. Je vais passer au scanner. Il n'y a vraiment rien d'autre. Est-ce que... Là, il nous dit qu'il y a un des yeux qui est un peu usé. L'un boit, l'autre mange et le passant passe.
ça me donne pas d'idée d'ordre sur dans lequel appuyer sur les cases. Et puis là, on peut pas. Là, quand on met inspecter, il nous dit juste que c'est beaucoup. Que ça veut dire que les serpents, il y en a un, il faut lui donner de l'eau, l'autre il faudra lui donner autre chose, mais quoi, je sais pas. Normalement, il me semble qu'on a besoin qu'un seul objet par pièce. Des dalles, ça c'est la petite flèche qui nous permet de sortir de la salle en fait. Ça nous permet de retourner dans l'anneau. Ah, je peux appuyer sur l'œil. Voilà! On va y arriver. Maintenant, il devrait y avoir de l'eau pour remplir le gobelet. Ok, on a un gobelet plein d'eau. Faut aller au jumeau. C'était dans l'autre sens. Je suis plus de l'ordre. Alors, offrir, boire, lancer, jeter, poser, inspecter, mettre dans, vider dans. L'eau se remplit. On remplit le serpent jusqu'en haut. Un petit dé flotte sur l'eau. Hop. On va récupérer le petit dé. Est-ce que ça se ouvre pas? Il nous dit l'autre mange. Inspecter, manger, mettre dedans, jeter. Ça se mange un dé? Il mange pas les mêmes choses que nous. Offrir, tu crois? C'est un dé ancien. Alors, tu veux qu'on offre le dé? Ouais, offre. Non, mince, déposé. Raté. Je me suis loupée. C'est pas hyper maniable. Au niveau de la souris. Parce que... Ah, il en existe des découvertes. Ouais, non, je suis pas sûre. Ouais. L'offrir. Ouais, mais tu vois, pour offrir, il faut vraiment qu'il y ait une personne en face. Alors, on peut peut-être mettre dans... Le dé disparaît dans la gorge du serpent. Un cliquetis se fait entendre près de la porte en face. Et on a réussi. Ouais. Waouh. Alors cette épreuve-là, je ne m'en rappelle plus du tout. Cloison mobile. Inspecter, écouter, enlever, pousser. C'est très bien construit. Ok. Ça c'est quoi? Toucher, inspecter. Ça a l'air mobile, il y a une inscription. Le passant sauve certains et signale son choix au rampant. Ah ah. Ouais, on va en prendre une au pif, hein. Serrer, inspecter, monter, baiser. On va essayer de lui serrer la main. Tu te fais un ami, on dirait. Je suis pas sûre que ça fasse grand chose. Comme les autres, une sorte de colonne. À... C'est un 2 ça? À deux positions, montée ou baissée. Bon, tac. Ça a l'air mobile, il y a une solution. Ok, est-ce que là il faut qu'on appuie, pousser, essayer de pousser? Ça ne marche pas. Écouter, inspecter. Rien, ça fait pas de bruit. On va essayer d'appuyer là-dessus. Tu
salle de la fontaine. Ah. Inspecter. On va réécouter des fois que ça aurait fait quelque chose. Est-ce qu'on peut enlever? On va essayer, tu n'y arrives pas. Ah oui, attends, le serpent fait son choix. Peut-être que... cette pièce-là. Le tableau. Ouais, mais il dit un seul sera sauvé, donc je me suis dit que... Non, là, ça n'a rien changé. On va repasser par là pour voir. Je pense que ça n'a vraiment rien changé. Alors, ce qu'on a... ce que t'appelles le tableau, c'est ça là. Ça pour le coup, je peux pas, c'est pas cliquable. Tu vois, quand ça se met en rouge là, ça veut dire que j'ai des actions possibles. Mais là, j'ai aucune action possible. Je peux essayer de faire le scanner, on sait jamais. Ça peut m'aider des fois à détecter des choses, mais là, c'est juste une déco. Donc là, je crois qu'on a tout essayé, toutes les positions pour ce truc-là. Ou alors c'est que c'est pas le bon... On a peut-être pas... On va essayer avec une autre. Ça marche. Ok. Ça marche mais ça a rien fait. Est-ce que ça nous permettrait d'ouvrir ça? Ça se trouve on a un autre item en fait derrière. Parce qu'il y a deux mains montées. Non, ça marche quand même. Bizarre. Ouais, j'essaye de manière un peu trop hasardeuse, je pense. À chaque fois que ça fait un bruit dans la fontaine, il le met que pour la main du milieu. Et là, il me le dit plus. Il n'y a rien dans la pièce. Ah, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Le dé dit lesquels soulever. Mais le dé, on ne l'a plus. Spécial écrit sur le dé. Ah, il y a eu un bruit dans la salle du serpent. Si ça se trouve, le dé, il est retombé quelque part. Ouais. Ah oui, tu penses qu'il est revenu à sa place, qu'il faut recommencer en récupérant un nouveau dé. C'est possible. Sur l'œil. Tac. Hop. On va remplir. Ok. Ensuite, on retourne par là. Il faudra recréer la face visible du dé avec les mains. Ah oui.
Qu'est-ce qu'on a comme action avec le dé? Offrir, poser, lancer sur, inspecter, manger, mettre dans, jeter. On essaye de jeter les dés. Parce que inspecter, je crois qu'il nous a juste dit que c'était ancien. Au serpent. Ouais, mais le serpent il va pas être considéré comme une personne, donc tu vois, ça va pas marcher. Le mettre dedans. J'ai plus l'impression que c'est un bouton poussoir, le serpent. Parce que sinon après on va se retrouver sans dés. Moi je réessaye. Il est fait un 2. C'est un 2 ça. Bon allez, on va tirer 2. Hop. Je sais pas si c'est un 2 ou un 7. Ah, ou alors faut recréer un 2 comme sur un dé. Ouais, attends. Ouais. Ouais, c'est le 2 opposé. Tac. Mince. Cercle de gravé. On peut pas le casser. Il y a un cercle de gravé, ok. Il ne dit rien d'autre. Tout ça pour ça. Ok. Il y a un cercle de gravé. Ça fait plus rien. Puisque normalement, à l'issue de l'épreuve, on est censé récolter un crâne. Et là, je vois pas où est-ce qu'on pourrait récupérer le crâne. Ouais. Ah ouais, j'ai le verre. Il me reste le gobelet. C'est pas bête. Est-ce que j'ai... On va essayer de mettre dedans. Ouais, pff, non, il reste sur ça. Sur le premier. Le gobelet. Hein. Poser. En général, ouais, ça le pose juste dans la pièce. C'est en, de toute façon, c'est en tâtonnant et en essayant des trucs qu'on finit par y arriver. Alors attends, il me reste combien de psy? Il m'en reste pas mal. Je peux peut-être tenter un truc là. On va tenter la mouche. Ouais, je vais trop jouer.
suffit juste de mémoriser les épreuves qu'on a déjà faites pour y retourner la prochaine fois. Allez. Donc ça va être l'heure de s'arrêter. On saura qui sera sauvé la prochaine fois. Et c'est terminé. À bientôt.